Regardez, voilà Pocoyo et son ami Ellie. Ils se promènent. Bonjour Pocoyo. Bonjour Ellie. Il n'y a rien de plus agréable que de se promener par une belle journée ensoleillée avec ses amis. Tu en as de la chance, Pocoyo. Oh, regardez-les! J'ai l'impression que la promenade est en train de se transformer en course. Je me demande qui va gagner. Tiens, voilà Pato! Où va-t-il? Ah, ça y est, je le vois. J'ai compris. Pato a très envie qu'Ellie et Pocoyo disputent une vraie course. Et c'est lui qui fera l'arbitre. C'est très amusant. Allez, approchez-vous! Ellie et Pocoyo vont faire la course! On va vite savoir qui est le plus rapide des deux. Apparemment, Pato veut donner le signal de départ. À propos, Pato, que doit-on dire avant que la course ne commence? Je t'aide. On doit dire « Attention, prêt !» Et ensuite, que dit-on, Pato? Oh là là! Pato ne se rappelle plus ce que l'on doit dire ensuite. S'il vous plaît, les enfants, vous ne pourriez pas l'aider? C'est très facile. Dites-le avec moi. Attention! Prêt! Partez! Et les voilà qui se lancent! Au départ, continue comme ça! Pocoyo et Ellie sont au coup d'écoute! Oh, ils ont réveillé Dodo l'oiseau. Ce n'est pas grave. Oh, regardez! Apparemment, elle aussi a envie de faire la course avec les autres. Oh, malheureusement, elle ne va pas très vite. Pour l'instant, c'est Ellie qui fait la course en tête. Oh non! Oh non, ça, ce n'est pas de chance. La trottinette d'Ellie s'est enlisée dans du sable. Profite pour prendre de l'avance alors que la pauvre Ellie est coincée. Elle a l'air très déçue. Une petite minute. Ellie vient d'avoir une idée pour sortir de là. Je me demande bien ce qu'elle va faire. Elle essaie de se désembourber en tirant sur la feuille du palmier. Vas-y, Ellie, tire! Oui, elle a réussi. C'est bien, Pocoyo. Tu es toujours en tête. Ça va? Tu n'as pas l'air de faire trop d'efforts, dis-moi. Tiens, tiens. Alors ça, c'est bizarre. Pourquoi t'arrêtes-tu, Pocoyo? La glace. Tu viens manger une glace en plein milieu de la course? Alors là, tu m'étonnes. Dis donc, mon bonhomme. Tu dois te sentir bien sûr de toi pour t'arrêter et manger tranquillement ta glace. Oh, Ellie! Tu ferais mieux de remonter dans ta voiture si tu ne veux pas perdre la course. Et voilà Pocoyo qui repart! Regarde-le foncer vers la ligne d'arrivée! Vas-y, Pocoyo! Oh, voilà Dodo l'oiseau! Pocoyo et Ellie sont à nouveau au coude à coude. Oh, quelle belle course! Oh non! Que s'est-il passé? La
voiture à pédales et la trottinette sont en mille morceaux, alors qu'Ellie et Pocoyo étaient tout près de la ligne d'arrivée. Quel dommage! Comment allez-vous faire pour terminer la course sans voiture à pédales ni trottinette? Ce n'est pas grave. Je suis sûr qu'il existe un moyen pour vous permettre de finir la course. Faites-moi confiance, d'accord? Réfléchis, Pocoyo. Tu as un morceau de voiture qui tient toujours debout. Et toi, Ellie, tu as une moitié de trottinette. À ton avis, Pocoyo, est-ce que cela suffit pour construire une autre voiture? S'il vous plaît, les enfants, dites à Pocoyo et à Ellie ce qu'il faut faire pour fabriquer une autre voiture et terminer la course. Faut les mettre ensemble! Oui, les mettre ensemble! C'est ça! Si vous emboîtez les deux morceaux l'un dans l'autre, vous pourrez terminer la course dans une voiture presque neuve. C'est magnifique! Pocoyo et Ellie viennent d'inventer la trotti-voiture. Bravo! Vous avez tous les deux gagné la course. Bien joué! J'ai parlé trop vite. Apparemment, c'est Dodo l'oiseau qui a passé la ligne la première. Bon, c'est aussi bien comme ça. Elle a bien mérité de gagner. C'est vrai, ce qui est important, ce n'est pas de passer la ligne d'arrivée en premier. Ce qui compte, c'est de s'amuser pendant que vous faites la course. Et avec vos amis, un grand bravo pour Pocoyo. Au revoir et à très bientôt.